je suis Emile, je suis en première année de BTS électrotechnique au lycée Édouard Belin. J'ai choisi cette formation parce que dans l'avenir, je désirerais être conducteur de train et c'est une formation qui permet d'accéder à ce poste. Donc bonjour, je m'appelle Morgane Hézard, je suis en BTS électrotechnique au lycée Édouard Belin à Vesoul. En BTS, tous les cours qu'on fait, que ce soit la physique, les maths ou alors l'électro, sont liés. La grosse différence qu'on va remarquer en passant de lycéen à étudiant au BTS, c'est les libertés et la confiance que vont nous accorder nos professeurs. En BTS, on se sent plus responsable de ce qu'on fait. On sait que c'est à nous de le faire et à nous de le faire bien. Donc on s'investit encore plus et ça aide, parce que ça nous motive. Et en plus, quand on a une classe comme on est cette année, j'ai une classe vraiment excellente parce qu'on va tous s'aider entre nous. On est une classe qui marche beaucoup dans l'entraide et la plupart de nos travaux, que ce soit TP ou théorique, nous sommes en duo ou trio. Donc ici, c'est un exemple de ce qu'on va pouvoir faire durant l'aspect pratique. On appelle ça une platine de câblage. Tout ce qui est présent sur cette grille, c'est nous, les élèves, qui l'avons installé. Donc ça va passer par les disjoncteurs, comme le variateur de vitesse qui nous permet de choisir à quelle vitesse notre moteur va tourner. Donc le boîtier de commande, l'automate programmable et la cellule photoélectrique. Moi, après mon BTS, je pars travailler. Je ne vais pas faire de grandes études car c'est long et ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de professionnalisant, très formateur et sur un temps relativement court parce qu'en 2 ans, on apprend un métier et même plus d'un métier en réalité. Le lycée Belin est assez bien situé dans Vesoul. On a des magasins à proximité, une boulangerie, tout ce qu'il faut pour la vie d'un lycéen. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être conducteur de train. Donc j'ai vu qu'il fallait soit faire un bac STI, soit un bac S, puis ensuite faire un BTS électrotechnique, donc d'où le fait que je sois là. Continuer ses études, donc que ce soit à licence ou master, ce que le BTS permet de faire. Je continuerai mes études suite à mon BTS. Tout est fait pour que tout le monde s'entende bien et on arrive, on se sent comme chez soi. C'est vraiment agréable.